Salut, moi c'est Igor Shevchenko, je suis étudiant en bac 2 en relations publiques à l'ALA. Bonjour, je m'appelle Anne-Louise Jonard, je suis professeure d'anglais, coordinatrice pédagogique de la section relations publiques, responsable locale des relations internationales. Et bienvenue dans ma salle de bain. Je vais essayer d'y répondre. Je devine que je ne serai ni dans l'ordre et surtout dans le désordre. Je me sens bien, c'est peut-être parce que je suis dans ma salle de bain. On est tous ensemble avec le plus laid pull de Noël et on fait un petit peu les clowns, on va dire. Voilà, je vous laisse faire le montage maintenant, bonne chance, parce qu'il y a 17 minutes de vidéo. Avec mes collègues, nous formons une équipe soudée. Moi, j'aime étudier à l'ALA parce que je trouve que c'est un endroit où on est très proche des enseignants. Entre élèves, on est très proche aussi. J'avais besoin dans mes études d'avoir cet accès rapide aux enseignants. J'avais besoin d'être considéré comme une personne et pas comme un numéro. Et je crois que c'est la force de l'ALA, d'avoir réussi à créer des équipes et avoir renforcé cet esprit d'appartenance et de groupe. Mon meilleur souvenir à l'ALA, je pense, c'est les journées portes ouvertes l'année dernière. Je suis resté toute la journée. Et de base, j'étais prévu que le matin, au final, je suis resté toute la journée parce que je m'amusais vraiment bien. Dans notre département, à nous, il y a trois sections. Donc, il y a les relations publiques, il y a les assistants de direction et les informatiques de gestion. Notre directrice, Madame Majot, met en place un contexte qui est favorable à nous, enseignants, pour que nous soyons heureux d'y enseigner. Et à vous, étudiants, à toi, étudiant, pour que tu sois heureuse d'y étudier. Ce contact qu'on a avec les enseignants est vraiment un plus du département. Oui, il y en a. Les étudiants, entre eux, mettent en place des structures de façon à ce que personne ne soit laissé de côté. Voilà, si jamais les bac 1 ont des questions, s'ils ont besoin de quelque chose, ou s'ils ont des doutes, ou avant un examen, tiens, comment est-ce que cet enseignant-là interroge, etc., nous, on peut... Vu qu'on l'a déjà fait, on peut un peu les aider, les aiguiller. Il y a aussi un système de tutorat donc, qui se fait des élèves de bac 2 ou de bac 3 pour des élèves de bac 1. Nos baccalauréats sont des baccalauréats professionnalisants qui vont faire de toi des professionnels et qui vont t'ouvrir des portes vers la vie professionnelle que tu attends. Enfin, toi qui regardes la vidéo, on se revoit au JPO et sinon on se recroise dans les couloirs l'année prochaine. Allez, ciao!